Troisième et dernière reprise. Qu'est-ce que vous pensez des fêtes de Lille? Pour cette séance ici? Pour l'ensemble? Pour tout, oui. Écoutez, moi c'est la seule séance que j'ai vue, moi, hein, c'est la boxe. Reste après, j'ai rien vu. Pourquoi? Comment? Pourquoi vous n'avez rien vu d'autre? Ben écoutez, il n'y avait pas grand chose. S'il y avait les jeux de bouchons, si. Ben oui, mais c'est des trucs auxquels je ne m'y intéresse pas énormément. Hein. C'est un sport auquel je ne m'y intéresse pas. Et les autres jeux? Quoi? Le jeu de javelot, les jeux de. Non, tout ça. Le football. Le football, oui. Si. Oui. Ça, ça m'intéresse énormément. Le tir à l'arc? Ben oui, ça me plaît également, mais je ne suis pas salé. La boxe, là, c'est bien. Sans doute, c'est la seule chose qui vous a intéressé dans les fêtes de Lille. Dans les fêtes de Lille, oui, le football. En... Il n'y a plus les fêtes de Lille comme dans le temps, des cortèges comme il y avait dans le temps. Il n'y a plus tout ça. Avant, il y avait des cortèges, je crois. Oui. Hein, ça n'existe plus maintenant. Tout se passe peut-être sur FIV, peut-être. Vous étiez de Lille, vous, avant, monsieur? Oui, depuis 37. Et vous alliez au cortège? Oui. Et vous regrettez que ce ne soit plus comme avant? Oui, avant, il y avait les fêtes, là. Il y avait des cortèges sur place boulevard de la Liberté, tout ça. Ouais. Il y avait tout ça avant. Des sociétés qui venaient de l'étranger, quoi, de Belgique, de Hollande, d'Angleterre, tout ça. Même des alentours, quoi. Alors, ça n'existe plus tout ça. Les fêtes en question de cortège, tout ça, ça se passe plutôt sur FIV maintenant. Lille, il n'y a plus rien. C'est FIV qui s'accapare de ce domaine-là, quoi, en somme. Ils ont bien raison. Il se débrouille moi dans cette contrée-là. Et vous, qu'est-ce que vous pensez des fêtes de Lille? Pas grand-chose. Ouais, simplement la boxe, puis c'est tout. Le reste, il n'y a rien comme M. Lidi, là. Il n'y a absolument rien. C'est dénaturé, tout ça. C'est on a une voiture maintenant. On est mieux aller voyager. C'est mieux, quoi. C'est plus le même genre de monde d'avant. Non, c'est tout. Hein. Avant, on s'amusait mieux. Ah oui, oui, c'est pas le même. Pas le même genre. Et alors ici, on ne peut pas dire tout ce qu'on veut, il y a tout ça, ça fait beaucoup, hein. Oui, on se demande où c'est qu'on est en ce moment. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Ah, bien. C'est tout, c'est tout. Vous voulez mon opinion sur les fêtes de Lille? Moi qui ne suis pas lillois, je trouve que c'est très bien, parce qu'on retrouve toutes les traditions des Flandres, du Nord, qu'en général, on ne voit pas dans le lillois, je dirais, miné. Et à mon avis, on perpétue des traditions qui sont encore excellentes, telles le jeu de, le jeu de javelot, les fléchettes et le jeu de beignot, que je ne connaissais pas avant ce matin, et je trouve que vraiment c'est excellent. Voilà. Toujours pour cet assaut difforme, offert par les transports déménagement de la Martine à Lille. Difforme également par le café tabac Henri Pape, rue Léon-Gambetta à Lille. À part la boxe. Ah, mais je m'intéresse qu'à la boxe, hein. Je suis professeur de boxe aussi au Boxing Club des Flandres. Vous n'êtes pas allé voir les autres jeux? Ah non, je m'intéresse qu'à la boxe. Et les fêtes de Lille en général, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, d'après ce que j'entends, il paraît que c'est vraiment bien, les gens sont contents, ça leur fait passer une bonne journée. Il faudrait qu'il y en ait plus souvent, malheureusement, il n'y en a pas assez, c'est vrai. En fait, c'est une fois par an. Oui, mais une fois par an, il faudrait qu'il y en ait 10 comme ça par an. Avec beaucoup de soleil surtout. Ça vraiment est... Qu'est-ce qu'il va prendre?
écrit sur le ciel. Et c'est le même blanc que votre verre, il y a 80 ans dans le monde. Avec un même méchant. Il est méchant. Oh là là. Oh là là. Il ne doit pas être bon, ce qui est devenu noir. Les gars du Nord, les gars du Nord, et on ne saura jamais dégoter les gars du Nord du Pas-de-Calais.